Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à cette quatrième soirée IQ, huitième soirée IQ. Mon nom est Louis Vaillancourt. Puis je suis heureux de vous accueillir pour cette soirée-là. On va ce soir avoir la chance d'avoir avec nous Monsieur Sauvé, René-Marcel Sauvé. Et avant de présenter Monsieur Sauvé, j'aimerais juste vous inviter tout de suite à nos prochains événements. Le 24 octobre, soit dans deux semaines, ici au Lubu à 19h, il y a le troisième cours de Monsieur Lacourcière d'histoire. Et le 7 novembre, dans un mois, ça sera suivi de la conférence de Jean-François Nadeau sur la biographie de Pierre Bourgault qui a écrit et qui a publié. Ça va être intéressant. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de commencer à lire la biographie. Le déroulement de la présentation de ce soir, Monsieur Sauvé va nous parler pendant à peu près une heure. On va prendre une petite pause de 15-20 minutes. Puis après ça, il y aura questions si vous voulez. Vous approchez aussi, on verra comment ça se présente parce qu'il y a des cartes et puis on pourra avoir un peu d'interaction. Donc, dans la deuxième partie. Pour introduire, pour la soirée, j'ai apporté un livre qui s'appelle « L'art de la guerre ». Puis M. Sauvé, quand il l'a vu, il me dit « Vous l'avez en anglais ?» Il dit « Moi, je l'ai en mandarin ». Alors, je n'ai pas pu le lire malheureusement en mandarin, mais j'ai choisi. Il y a un passage qui va bien identifier aussi ce qu'on essaie de faire avec IQ, avec Identité québécoise. Ça dit « Dans les anciens temps, les guerriers essayaient d'abord de se rendre invincibles, et ensuite, essayer de regarder l'adversaire pour trouver de la vulnérabilité. » Alors, c'est un peu ce que M. Sauvé va nous, avec toute son histoire, tout son parcours et tous ses apprentissages, va nous montrer c'est comment on peut être nous-mêmes invincibles en connaissant notre histoire, en connaissant notre culture, pour ensuite avancer de la vie. Alors, M. René-Marcel Sauvé est né à Montréal le 27 mars 1931. Il a étudié la géographie à l'Institut de géographie de l'Université de Montréal avec une spécialisation en géopolitique. C'est un lutteur émérite. Il a gagné 11 championnats de lutte au Québec pendant ses études. Et c'est son premier ouvrage qu'il a publié. Ça traitait de lutte. C'était aux éditions de l'Homme, la lutte olympique qui servait aux jeunes instructeurs pour les coacher, comme on dit en bon, chinois. Suivant sa carrière de lutteur, il entrera donc au contingent du Corps École d'Officiers canadiens, mieux connu sous le nom de COTC, Canadian Officer Training Corps, et il fut commissionné par le joueur George VI, 1er décembre 1948. René-Marcel Sauvé entreprend ensuite une carrière militaire qui durera 28 ans et le conduira en Allemagne du Nord, au Ghana, en Afrique équatoriale, Chypre et au Moyen-Orient. À 45 ans, démissionné de l'armée, il reprend ses nouvelles études de géographie, cette fois de façon didactique, et devient professeur à Toronto pour prendre sa retraite le jour de son 65e anniversaire en 1996. Indépendantiste de la première heure, il effectuera des recherches sur la défense avec André Dallemagne et d'autres recherches pour messieurs Parizeau et René Lévesque. Il prévoit notamment que la défense du Québec sera analogue à celle de la Nouvelle-France, dont le système a été adopté par la Suisse et la Suède. C'est notamment à lui qu'on doit, en 1972, la divulgation d'opération Neat Pitch, une opération préparatoire d'intervention armée contre le Québec, une expédition anti-québécoise qui sera tuée dans l'œuf devant le tollé général. Je ne sais pas si M. Sauvé va nous en parler. En 1975, voyant que le Parti québécois gagnerait les prochaines élections, il prépare un plan de contingentement pour assurer la défense du Québec en cas de tentative d'intervention armée par Ottawa. Le plan sera utilisé par René Lévesque en 1977 et publié dans le journal Le Jour, il sera servi ensuite pour se prévoir des interventions armées. En 1994, il publie chez Guérin le livre « Géopolitique et avenir du Québec » et rapatrié au Québec depuis quelques années. Il poursuit ses travaux en géopolitique, sujet très peu connu, et c'est ce dont il va nous entretenir aujourd'hui, la géopolitique. Alors, sans plus tarder, je vous présente M. Sauvé. Première chose, on va essayer de brièvement vous décrire la différence entre géopolitique et sciences politiques ou politicologie des facultés. C'est important de connaître cette différence-là
Parce que les journaux, les revues, il y a tant de monde qui écrivent sur la géopolitique, ne donnent pas une impression claire qu'il s'agit d'une discipline complètement distincte des sciences politiques. En résumé, la manière la plus simple, là, les sciences politiques, si on veut employer un langage savant, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle les variables de politique, ce qui change en politique. Les hommes et les femmes politiques, vous savez comme moi que ça change du jour au lendemain. Hein? Une journée, c'est une chose, le lendemain, c'est un autre. L'année suivante, c'est autre chose. Alors, on appelle ça une variable. On dit qu'est-ce que c'est qu'il va dire quand les situations vont changer. Là, bon, ben là, il nous sort encore un autre discours, ou bien non. Elle dit une chose une journée, puis deux semaines après, elle dit d'autres choses. Les régimes politiques changent, eux autres aussi. Ils portent une étiquette. Ils se disent socialistes. Et ce qu'ils font, pas grand-chose à voir avec le socialisme. Ils se disent corporatistes, etc. Alors, toujours un ensemble de variables, de conditions qui changent continuellement, qui apportent le changement, ainsi de suite. Géopolitique, c'est pas ça. Géopolitique, c'est les constantes. Ça veut dire les continuités, ce qui ne change pas, alors que tout le reste passe et change. La première chose, le premier facteur en géopolitique, c'est le territoire. C'est la géographie. Parce que la géographie joue un rôle déterminant dans la formation de l'État. Parce qu'en sciences politiques, on va parler du régime politique, on va parler du gouvernement, etc. En géopolitique, on parle d'État. Ça, c'est pas la même chose. L'État, ça veut dire l'assise d'un pouvoir donné, l'assise permanente d'un pouvoir donné. Ça, ça se forme pas dans une journée. Ça se forme pas en quelques semaines et en quelques années. Ça prend pas mal plus de temps pour former un État parce que ça signifie l'intégration d'un territoire donné, d'un territoire qui se prête à la formation d'un État. Parce que c'est pas tous les territoires qui s'y prêtent. Alors, l'intégration du territoire, l'intégration de la population qui l'occupe, qui réalise ce qu'on appelle en langue savante une osmose territoriale, ça veut dire qu'il vit du territoire et le fait vivre. Après ça, la prise de conscience du pouvoir qui ressort de cette progression-là, petit à petit, une volonté avec un V majuscule, qui se traduit par des actes. Règle générale, la formation d'un État en géopolitique, là, selon nos observations, requiert entre 400 et 1200 ans. La formation d'un État, ça ne se fait pas d'une journée. La France que vous connaissez, je pense, parce que tout le monde connaît bien la France a pris 1200 ans à se former comme État. La France s'est formée à partir de Charles Martel dans les années 450-500, et l'État français était arrivé à maturité sous Richelieu et Louis XIII vers à peu près 1640-1650. Hein. Le Portugal, 1200 ans, le Portugal est venu au monde en 1261. Plus que 1200 ans d'histoire. L'Espagne, 1400 ans d'histoire. L'Allemagne, on dit l'Allemagne. L'Allemagne est un État qui est très récent. L'Allemagne est venue au monde en 1870. Plus que 1800 ans d'histoire. Naturellement, en géopolitique, comme c'est une branche de géographie, on peut l'expliquer, on peut l'interpréter. Et l'interprétation principale, il n'y a rien de magique. C'est très simple, très, très simple. Moi, il ne pense pas. C'est les communications. Le pouvoir est complètement dans ces communications. Et tout changement dans les communications entraîne un déplacement des bases du pouvoir. Alors, on définit un pouvoir à partir de ces zones de communication qu'on appelle zones écoumènes dans notre langage. Là. Et lorsque les communications se déplacent, ou bien lorsque les communications se regroupent autour d'un centre de gravité, c'est là qu'on va avoir un État. Le pouvoir est complètement dans ses communications. On ne marche pas par théorie en géopolitique, on marche par axiome. L'axiome, c'est une vérité, un énoncé qui est vrai, qui est réel, mais qu'on ne peut pas démontrer d'un coup comme un problème de mathématiques ou maintenant comme un problème de géométrie, ainsi de suite. Alors donc, Allemagne, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple? Finlande, 1800 ans de formation, la Finlande existe, en fait, plus que ça. La Finlande existe comme Finlande depuis à peine 1920. Elle vient venir au monde, la Finlande. L'Allemagne est venue au monde en 1870. Pourquoi? Parce que le territoire allemand qui est au centre de l'Europe, hein, l'Allemagne est le centre de l'Europe. L'Europe centrale, c'est l'Allemagne. On définit l'Europe en fonction
de sa position par rapport à l'Allemagne. L'Europe du Nord veut dire Nord de l'Allemagne, l'Europe du Sud veut dire Sud de l'Allemagne, Est veut dire Est de l'Allemagne et Ouest, ainsi de suite. Eh bien, comme le territoire est extrêmement complexe, il a été facile pour tout le monde à l'extérieur, en fin de compte, d'influencer ou de tirer les Allemands d'un côté à de l'autre. Et finalement, c'était Frédéric de Prusse, dans les 1755, qui a décidé, là, on se fait assez longtemps, là, on se fait sauter dessus par les Polonais, on se fait sauter dessus par les Russes, on se fait sauter dessus par les Suédois, on s'est fait sauter dessus par l'Autriche qui nous en a fait voir de toutes les couleurs, la France nous a sauté dessus, l'Angleterre nous a sauté dessus, bien là, ça ne marche plus. As vite, nicht mehr gehen. Alors, il a fait une crise de colère épouvantable, il a dit, une seule Allemagne, on commence tout de suite. L'unification de la Prusse, après quelques années, après ça, amener tout le monde ensemble pour former ce que les Allemands appelaient « Grosse Deutschland ». J'ai eu le privilège d'y vivre plusieurs années, d'étudier là, ainsi de suite. Alors là, on comprend que l'Allemagne n'est pas une, parce que entre le Nord, le Sud, etc., les régions, on a différents dialectes, différentes manières de voir le monde, de s'exprimer, etc. On communique ensemble entre Allemands parce que c'est strictement nécessaire, parce qu'on est, en fin de compte, là, formé dans une espèce de carré, de grand carré, au centre de l'Europe, et si on ne se tient pas d'un bloc, eh bien, on va se faire encore entreprendre par l'Ouest, par l'Est, par le Nord, par le Sud, ainsi de suite. C'était ça, l'histoire de la formation de l'Allemagne, hein, à partir de Frédéric Barbarousse, Frédéric de Prusse. Et ce qui est arrivé par la suite, évidemment, était très malheureux parce qu'il a été remplacé par des imbéciles qui ont pris le pouvoir, alors que personne n'avait le sens du pouvoir. Et là, on arrive à l'État, le sens du pouvoir, ça veut dire la volonté et la conscience d'agir, de savoir comment nous agissons et de savoir pourquoi nous agissons de la manière dont nous le faisons. Lorsque cette volonté-là avec un V majuscule et une conscience avec un C majuscule existe, lorsque le territoire est intégré, il y a État avec un E majuscule, il y a État. Alors, ce que j'ai trouvé, évidemment, dans les recherches que j'ai faites pour écrire « Géopolitique et avenir du Québec », et je dois dire, c'est difficile de le dire, que si je n'avais pas été prof à Toronto, je n'aurais pas pu le trouver. Parce qu'à Toronto, ils savent. Ils le savent pourquoi nous avons survécu. Ils savent pourquoi nous avons grandi en force, hein, contrairement à leur volonté à eux. Et pourquoi notre volonté à nous autres a commencé, là, commence à prendre de la force et commence à s'imposer. Ils le savent. Et je l'ai trouvé à Toronto, en fin de compte, à fouiller, à chercher, ainsi de suite. J'ai pris mon auto, j'ai fait des voyages un peu partout. Et alors là, j'ai découvert l'essentiel, c'est-à-dire le facteur permanent, hein, la continuité, ce qui ne change pas, et qui a fait que, contrairement à ce qu'on pensait, nous avons non seulement nous avons survécu au fait que nous étions sous domination anglaise, mais nous avons... Notre croissance s'est faite en force, malgré notre petit nombre. Notre croissance s'est faite en force et de plus en plus, nous nous imposons. Il nous reste une seule chose à faire. Nous avons 400 ans maintenant de période formative. En général, en Amérique du Nord, la formation des États est beaucoup plus rapide qu'en Europe. Pour différentes raisons que je pourrais vous expliquer. Si vous voulez avoir un cours là-dessus, là, pendant 2-3 mois, je vais vous le donner. Ma foi, mais en général, comprendre qu'en général, ça s'est fait très vite en Amérique du Nord. Et nous, ça s'est fait lentement. Pourquoi? La réponse, je vous l'ai donnée dès le commencement. Communication. Difficile de communiquer avec le Québec. Très difficile de communiquer avec le Québec. Il faut entrer par le Saint-Laurent. Et le Saint-Laurent est une des voies de navigation les plus dangereuses au monde. On ne s'en rend pas compte. Il y a 4000 épaves dans le fond du golfe. Il faut savoir naviguer si on veut remonter le Saint-Laurent jusqu'à Québec. Il faut le savoir. Il faut savoir exactement comment on va exploiter les marées et comment on va avancer. Parce qu'autrement, on risque... C'est plein de récifs. Hein? Ce n'est pas des récifs de corail, comme dans la mer de corail au large d'Australie. Il y a quelque chose de charmant, très dangereux, mais charmant. Et ça a protégé les Australiens contre les sous-marins japonais pendant la dernière guerre. Mais ici, c'est des récifs de granit. Le granit, c'est une roche qui est pas mal dure. Un bateau à voile, et puis même un bateau moderne, avec une grosse coque solide,
pendant une tempête, qui se fait pousser traîtreusement contre un récif, eh bien, il va au fond. Il va au fond. Il y en a eu 4 000 qui sont allés au fond, dont 2 flottes anglaises au complet. Les Bretons savaient naviguer, parce que les Bretons sont habitués, sont des pêcheurs pauvres, et parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont pauvres, et parce qu'ils n'ont pas les meilleurs bateaux du monde, ben, ils savaient naviguer dans les eaux dangereuses, hein, au large là, des côtes. Ils savaient comment éviter les récifs, et c'est parce qu'ils le savaient qu'ils ont été capables de monter, de remonter jusqu'à Québec. Les Anglais ne le savaient pas. Qu'est-ce que les Anglais ont fait pour monter? Bien, ils ont payé des Bretons, ils ont payé du monde qui le savait, puis ils ont dit, écoute, tu sais, on est peut-être des maudits Anglais, mais on va être généreux, on va te payer comme il faut, hein? Tu vas prendre le bateau anglais, tu vas le guider comme il faut, tu vas l'amener jusqu'à Québec. Lorsque le Queen Mary II construit en Bretagne, hein? Parce que les Bretons s'y connaissent depuis longtemps en construction de navires, en pilotage de navires en haute mer, les autres Français, non, les Normands s'y connaissent, les Bretons s'y connaissent, mais en général, les Français ne sont pas des gens de haute mer, ne sont pas des gens pour prendre les grosses vagues et se faire brasser sur l'Atlantique. Non, une petite chaloupe, un petit lac, une petite rivière, vous savez, une belle madame là, avec un parasol, comprenez-vous ça, là, des beaux arbres, des chansons romantiques, ça c'est les autres Français. Là, je ne veux pas les sous-estimer, c'est du monde absolument charmant, c'est nos cousins. Mais quand il s'agissait de prendre la haute mer puis d'aller se faire brasser, alors là, c'était nous autres. Là, c'était nous autres, Bretons, Normands, en fin de compte, surtout Normands, en grand nombre et Bretons. Et puis, ça affectait d'ailleurs notre manière de nous exprimer. C'est géopolitique, notre langue. Hein? On traverse, vous avez certainement remarqué qu'on ne traverse pas l'autre côté de la rue, mais l'autre bord de la rue. Vous avez entendu une expression très, très fréquente au Québec, « Envoyez donc pendant une petite secousse ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une petite secousse du bateau. Tu sais, t'es dans le bateau à voile, là, puis il brasse, là, puis les vagues, puis tout le restant. T'es malade comme un chien. T'as envie de vomir. Tellement tanné que t'as envie de te jeter à l'eau. Tu dis, moi, me noyer, puis ça va être fini, là. J'en ai assez. Bon, puis là, le capitaine arrive, puis il dit, envoie donc, travaille donc comme petite secousse, là, pour arranger ça, ce voile-là. Envoie grouille, là. Puis là, t'as envie de dégobiller, là. Tu vois, tout à l'envers, là. T'es obligé de monter dans le mât. Le mât de misaine, t'es obligé de l'ajuster, ainsi de suite. Puis il dit, maudit que je suis malade. Là, dans ce temps-là, les cris, les cordes, c'est avant max, ça sort. Hein? Parce que là, tu sais, à un moment donné, ça dépasse. Mais on travaille pendant une secousse. On barre une porte. En Normandie, on barre les portes. On les ferme pas, on les verrouille pas, les portes. On met une grosse barre sur le travers. Et puis, ben, on travaille comme ça, on traverse l'autre bord de la rue. Il y a une foule d'expressions qui sont des expressions maritimes et qui montrent que nous sommes réellement à l'origine des marins. Et des marins qui n'ont pas peur de traverser les grosses mers, surtout l'Atlantique. J'ai traversé l'océan Atlantique une fois. J'ai été malade, un gros bateau, j'ai été malade tout le temps qu'on a traversé. Quand je suis arrivé de l'autre côté, là, le dimanche, j'arrive à la messe là, comme un bon garçon. Et puis j'étais installé en train de lire la messe. Puis il y avait une fatigante en face de moi qui était là, même là, là puis qui lisait son livre de messe. Là. Était obligé de sortir de l'église, ma foi, là, je me suis plein de sueur, malade comme un chien. Ma femme, elle, qui a le pied marin, elle n'était pas malade. Elle se levait le matin à 5 heures sur le bateau, puis elle allait déjeuner, elle disait, j'ai faim, elle amenait les enfants, ainsi de suite. Quand elle est arrivée ici, elle est en forme, etc. Mais moi, par exemple, je l'ai perdu, le pied marin, ça arrive. Alors donc, communication très facile au sud. Boston a été fondé après Québec, 1620. Nous, 1608, 1604 ici, pour l'Acadie ici, là. C'est ici qu'est l'Acadie. Boston, 1620. Tout le long de la côte atlantique, qu'est-ce que vous avez, on trouve, point de vue géographique, on ne trouve pas ici. D'abord, accessibilité. Le pouvoir est dans ses communications, c'est facile d'accéder. Toute l'Atlantique se définit par ses baies. Chesapeake Bay, Boston Bay, Narragansett Bay, ainsi de suite. Là. Ça veut dire ce que le bateau approche, que le bateau n'est pas obligé de s'organiser là, tout un système de port de défense. Le bateau a seulement qu'à rentrer dans la baie, il est protégé contre les grosses vagues, alors on vide, on charge, ainsi de suite. Premier avantage. Deuxième avantage, 2 récoltes par année. Ça a l'air de rien, c'est très important. Pas nous autres.
Nous autres ici, les seules zones dans la ville du Saint-Laurent où on a pu défricher, puis défricher là, à coups d'efforts répétés dans la vallée du Saint-Laurent, on n'a jamais obtenu plus qu'une seule récolte par année, puis encore, elle n'était pas garantie. Et ça, ça explique ça, l'énorme difficulté que nous avons eue de peupler cette région-là. Louis Hébert est arrivé avec Champlain, Samuel de Champlain, en 1608. Hein? Et Louis Hébert est un agriculteur expérimenté. Mais on ne peut pas ouvrir, défricher, arracher, souche. On ne peut pas faire ça si on n'a pas de capitaux. Ça prend de l'argent. Et Louis Hébert en a emprunté. Il en a emprunté en France, il venait de Normandie. Alors, il en a emprunté en Normandie. Puis vous savez que les Normands, c'est du monde pingre. Hein? C'est du monde qui sont proches de leurs sous. Quand vous leur devez quelque chose, ils calculent les intérêts régulièrement, puis ils vous font sentir que vous leur devez de l'argent. Puis en matière d'argent, les Normands sont intraitables. On le voit dans les descriptions de Gustave Flaubert, hein, qui décrit réellement Normandie. Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent, eux autres-là? Là, de l'espionnage, ça, là? Hein? Alors, donc, les Normands qui avaient prêté, là, les bailleurs de fonds, parce que ça prend des fonds, ça prend du capital, qui ont prêté à Louis Hébert, le pauvre Louis Hébert est mort dans la misère, est mort dans une dette par-dessus la tête, ça n'avait pas de bon sens. Il a fallu continuer à travailler. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce travail-là. En 1946, à Joliette, j'étais un gros garçon à ce moment-là, j'avais 15 ans, puis j'ai toujours été assez gros. Alors là, je m'étais allé me travailler dans une ferme. Hein. Il ne m'a pas demandé si je savais lire puis écrire. Le fermier m'a regardé. Il a dit, « T'as des gros bras, t'as des gros poignets. Ah ouais, viens-t'en, tu vas travailler. Une pièce par jour, aïe aïe. Mais on va te nourrir comme il faut, puis ça c'est important. » Allez essayer de caler une charrue tirée par un cheval. Hein? Puis là, vous frappez une roche, à un moment donné, poum, t'arrêtes, puis là, tu sors cette affaire-là. Ça fait 300 ans qu'on travaille là-dessus. Et ça fait 300 ans qu'on travaille les roches une après l'autre, là, les grosses roches, les moraines qu'on appelle les moraines glaciaires. Joliette et des régions de proximité de Joliette n'étaient même pas arpentées. L'arpentage, c'est le premier acte d'un État. L'arpentage était pratiqué à Babylone. D'ailleurs, l'arpentage, une invention babylonienne, la mesure des terres, ainsi de suite, on va en parler. L'arpentage, c'est la première manifestation de l'État pour mettre de l'ordre dans un pays de manière organisée, l'agriculture. Et c'est l'agriculture qui fait la nation. Nous sommes reconnus nation parce que nous avons travaillé, retravaillé pendant 400 ans, cette terre-là, qui est une des plus dures au monde et qui ne donne seulement qu'une récolte par année, alors qu'ici, ça n'a fait de rien. Ma foi, il n'y a pas eu de glaciation, là, ici au sud. Il n'y a pas eu de glaciation, puis il y a deux récoltes par année, au moins, plus au sud, il y en a trois. Ben voyons donc. Les populations vont s'installer, se multiplier là où il y a quelque chose à manger. En géographie, nous, on ne se fait pas d'illusions. On n'a pas d'idée, on n'a pas d'idéologie, rien. On regarde s'il y a quelque chose, s'il y a de l'agriculture, si ça pousse, s'il y a de quoi manger. Et puis là, ben, on se dit, bon, mais c'est correct, ma foi, là. Et puis en plus de ça, s'il y en a disponible, parce que les sociétés primitives de chasse et de pêche ne nourrissent pas, ne mangent pas suffisamment pour être capable de développer le cerveau, être capable de développer le système nerveux central, qui sont les deux plus gros consommateurs de nourriture. Il n'y a pas à en sortir. Vous voulez être capable de piloter un 747, bien, vous ne ferez pas ça rien qu'en mangeant des produits de la chasse et de la pêche. Il faut que vous ayez été nourri convenablement pendant longtemps. Et que, ce qui est aussi important, c'est que la nourriture soit servie d'une manière rituelle, ritualisée. Ça veut dire qu'on s'assied, on prend le temps de s'asseoir à la table, d'avoir les manières qu'il faut, pas être maniéré. Être manieré, avoir les manières qu'il faut, ça veut dire manger de manière à ne pas dégoûter les convives qui sont autour de nous autres, hein, le respect total, l'égalité totale. Et c'est là que ça commence, la nation. Quand un tas de monde le font, quand un tas de monde mange convenablement, et quand on voit que le développement du cerveau et le développement du système nerveux central rend les gens de plus en plus aptes à faire, à effectuer de plus en plus d'opérations complexes,
Là, on parle de nation. L'État, ça, c'est le pouvoir, c'est autre chose. L'État, ça va plus loin que la nation. L'État, c'est l'organisation systématique du pouvoir d'agir. Alors, donc, 400 ans de travail, et 400 ans de travail, comme ça, là, où on a commencé à manger convenablement, très important. Lorsque la table est mise, lorsque je vois, moi, comme géographe, là, que les gens se donnent la peine de s'asseoir à table, la belle vaisselle, la belle coutellerie, je me dis, tiens, indépendance, ça s'en vient. L'indépendance commence là. 1983, j'avais amené 45 élèves en URSS. Et nous sommes allés de Moscou à Erevan, en Arménie. Et là, en Arménie, on nous a placés dans un hôtel en dehors de la ville, dans le coin le plus pauvre de la ville. Les élèves ont dit, bien, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Je dis, qu'est-ce que je vous ai dit qu'on fait? On s'en va à pied, là. On ne prend pas de grands airs, rien de ça. Puis on examine tranquillement. Examinez les enfants. S'ils sont beaux, s'ils ne sont pas nerveux, s'ils ont des belles dents, s'ils sont bien nourris, si le milieu est propre, moi, je vais vous dire, d'ici à quelques années, l'Arménie va s'être détachée de Moscou, va être indépendante. Ça prend ça. Ça prend ça. Et les élèves sont venus me voir, puis ils ont dit, oui, monsieur, c'est vrai. Hey, c'est vrai, ma foi, les fonds de ruelle, tout est propre, tout est en ordre. Puis on a remarqué, à part ça, les magasins d'alimentation, le monde mange bien. Alors, s'ils mangent bien, ça veut dire que le cerveau va développer. Il n'y a pas de race supérieure à une autre race. Il y a du monde qui mange mieux que les autres. Et parce qu'ils mangent mieux que les autres, eh bien, sont capables de faire des opérations que les autres ne peuvent pas faire. J'ai été étonné, par exemple, en Angleterre, de voir chez les familles moyennes là, que... On ne mange pas les plats les plus raffinés du monde, mais on mange bien. Puis en plus de ça, les manières, les belles manières sont obligatoires. Hein? Et c'est avec ce monde-là. Ce monde-là n'est jamais malade. Ce monde-là est résistant, capable d'effectuer des opérations mentales, intellectuelles complexes. J'ai vu la même chose en France, j'ai vu la même chose en Allemagne. En Italie, le repas du soir en Italie, c'est sacré chez les Italiens. Puis on ne fait pas de scène à part de ça. C'est pas à place, on fait des scènes. Quand on s'assied pour manger, même chez la mafia italienne, les criminels, la détente est totale. On prend le temps de manger tranquillement. Personne ne provoque personne, personne ne parle de chicane. Ça, c'est essentiel pour la santé physique et mentale. Essentiel. Vous faites ça, vous n'aurez pas de problème d'alcoolisme, vous n'aurez pas de problème de drogue, rien de ça. Et tout le monde va être robuste, tout le monde va être capable de travailler de manière solide. Alors, c'est là qu'on parle de nation. On ne peut pas refuser, on ne peut pas nier dans le restant du Canada que nous n'avons pas réalisé le statut de nation, que nous avons réalisé à produire une agriculture et puis qu'en plus de ça, nous avons appris à nous nourrir convenablement de manière à être capable de travailler de manière, là, de façon de plus en plus sophistiquée, de plus en plus complexe, qui nous permet de rencontrer des problèmes de plus en plus difficiles que nous sommes capables de résoudre. Alors, ça commence comme ça. Alors, vous voyez la géographie, la mentalité du géographe, la mentalité de la géopolitique, c'est pas la mentalité d'un théoricien. C'est pratique, c'est pratico-pratique. On regarde ce que les gens font, on regarde s'ils mangent partout où on va, et puis là, tout de suite, on peut dire en conclusion, oui, c'est correct, ils vont être indépendants, ils vont constituer un État, ainsi de suite. Ça commence par des choses aussi simples que ça. Donc, eux, dans le sud, ils grattent un peu à terre, puis ils ont de quoi manger. Ils ont deux récoltes par année. Ça veut dire ça qu'ils mangent 100 fois mieux que nous autres. Le résultat, 1760, au moment où nous étions, nous, en train de nous débattre là, contre les Anglais, au moment où la France décidait de nous abandonner, eh bien, eux, nous étions 70 000. Eux, dans le sud, ils étaient 2 millions. Il ne faut pas oublier ça. Est-ce qu'ils étaient pour se battre, pour venir prendre le Nord? Ben voyons donc, un petit peu de bon sens. Un petit peu de bon sens. Leur centre de gravité tourne vers l'Atlantique et nous tournent le dos. Vous savez, ils ont monté au Nord en 1774 parce que, pas tellement pour nous écraser comme pour chasser l'Angleterre, parce que Washington était déterminé à mettre l'Angleterre en dehors de l'Amérique du Nord. Mais Washington a fait un mauvais calcul, a fait, vous savez, en stratégie, on a beau être stratège militaire, faire des grands calculs, tracer des cartes, là, et puis faire toutes sortes de plans.
ça ne veut pas dire qu'on va réussir. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir, surtout si on oublie la nature géographique, la nature humaine. Ça, c'est l'erreur majeure que font tous les grands stratèges, là, qui s'assoient, là, que j'ai vu travailler avec un cigare à la gueule, là, vous savez, là, puis qui font des beaux dessins sur des cartes. Après ça, ils sont surpris de voir que ça ne marche pas. Ben oui, mais ça ne marche pas. Ben, qu'est-ce? T'avais rien qu'à regarder la réalité telle qu'elle est. C'est autre, ça. Hein? La stratégie s'impose, la stratégie se base sur ce qui a déjà été accompli. On fait ce qui est déjà fait. On pousse à partir de ce qui est déjà fait. Alors, donc, 2 millions capables de faire l'indépendance, capables de faire l'indépendance, les Anglais le savaient. Les généraux anglais le savaient. Et c'est pour ça que les généraux anglais ont pris Québec, sont concentrés dans le Québec. Pourquoi? Bon, le Québec va donner seulement qu'une récolte par année, mais au point de vue militaire, le Québec a une très grande qualité qui nous a servi à nous. Ça s'appelle la défendabilité en langue stratégique. Le territoire est défendable, très facilement défendable. La preuve, c'est que nous, avec des milices territoriales, organisées comme ça par la France, organisées par le régime français, ben, ces milices territoriales-là, on a été capable de battre les armées anglaises les unes après l'autre. De toute façon, ma foi, les Anglais, c'est pas difficile à battre. On les a déjà battus en Europe pendant 1000 ans qu'on leur administrait une raclée après l'autre. Mais nous autres, l'histoire nous raconte que non, on a été battus. Là, c'est pas vrai. C'est faux. C'est nous qui avons gagné. À chaque fois, en Angleterre, contre les Anglais, en 1066, puis il y a eu naturellement des mauvaises batailles organisées par les Français de Paris, notamment la bataille d'Agincourt, qui a été une catastrophe, vous savez, les batailles de Louis XIV, etc. Eh bien, nous, en Normandie, les ancêtres en Normandie, en Bretagne, etc., ils puis retourner le bas pour leur dire, écoutez, vous ne savez pas vous battre, hein? Regardez, on va vous montrer, nous autres, comment est-ce qu'on fait. Et la preuve, c'est que nous avons gagné. Bon, alors nous avons donc, contrairement à ce qu'on pense, nous étions perdus en 1759. Faux! C'est pas vrai. Nous avions, nous, investi 152 ans de travail. Investi un travail de fou, un travail épouvantable. Essayer de défricher cette terre-là, là, qui est une des plus ingrates au monde, avec une saison végétative qui donne moins que 150 jours par année, moins 150 jours par année. Vous n'êtes même pas sûr de faire pousser des patates ou du maïs. Alors là, vous travaillez sur des terres, et si vous travaillez sur des terres, vous allez le savoir, et travaillez sur une terre, vous dites, bon ben là, as-tu le temps de semer, il faudrait bien semer, mais si je sème, je cours le risque là, qu'il y ait un gel, et puis je vais tout perdre mes semences. La récolte commence à être montée, elle n'est pas tout à fait prête, là. C'est pas encore, là, il faudra encore que je puisse attendre là, un, deux, trois semaines, là. Mais si je ne la lève pas tout de suite, là, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver qu'il va venir un gel, puis je vais tout perdre. Aujourd'hui, on a l'assurance récolte, mais avant ça, on ne l'avait pas. Avant ça, on ne l'avait pas. Paul Hall, le gars qui a écrit l'histoire de Louis Cyr, hein? Paul Hall. Alors, j'ai connu parce qu'on était au régiment, 22e régiment. C'était un bel art, vous savez, un bel homme là, qui paraît bien, un athlète, etc. Et puis, il avait fait son entraînement de parachutiste, vous savez, puis il montrait ses ailes à tout le monde. Puis on lui disait, mais c'est-tu dur, ça, l'entraînement de parachutiste? Il dit, voyons donc, c'est de l'entraînement de novice. Il n'a fait de rien, ça. Puis tout le monde trouvait ça dur, mais pas lui, il ne trouvait pas ça dur. Il est devenu sous-ministre des Sports à Québec, et c'est lui qui a écrit les vies de grands sportifs, dont Louis Cyr. Et il raconte qu'au sud, la rive sud, à la prairie, On craignait comme la peste que le gel détruise les semences trop tôt et que le gel détruise les récoltes après. Et souvent, ça arrivait. Comment est-ce qu'on va faire pour survivre? Bien, comment est-ce qu'on va faire pour survivre? Ça va être quasiment impossible. Il faut aller pêcher de l'anguille, il faut aller à chasse, il faut essayer de trouver n'importe quoi, il faut acheter, il faut importer. C'est pas facile. Et surtout, on mange mal. On mange très mal, et ça, c'est très mauvais, très mauvais. Très mauvais parce que quand on ne mange pas suffisamment, quand on ne se donne pas la peine de s'asseoir pour manger, la capacité de concentration en souffre. La capacité d'effectuer des opérations complexes. Si vous mangez mal, vous n'apprendrez jamais à piloter un 747.
Et vous n'apprendrez pas non plus à faire des opérations chirurgicales. Vous n'apprendrez pas non plus à faire des dessins savants, etc. C'est ça qui fait la différence. Parce que nous l'avons fait. Et puis c'est venu réellement, le progrès est venu réellement après la Deuxième Guerre mondiale. Lorsque le tracteur a commencé à rentrer, lorsque l'homme fort comme Louis Cyr, ben, on avait besoin. Il fallait dans une famille que tout le monde, littéralement, ait une force herculéenne pour être capable de faire le travail de fou qu'il avait à faire. Mais lorsque le moteur est arrivé, que le petit tracteur avec un petit moteur de cap, de même, était capable de faire le travail de 10 000 hommes à lui tout seul, eh bien là, le Louis Cyr et tous les hommes forts sont tombés de côté. Ils n'étaient plus les archétypes dont on avait besoin avant ça. Puis les grosses femmes fortes, à part de ça, faites solides. Hein? Bon, c'était fini. Et là, les Québécois, à partir de, j'ai vu, moi, 1960, j'ai vu arriver 1960, ma foi, ça s'est jeté après la guerre mondiale, ça s'est jeté dans tout ce qui est gadget, tout ce qui est mécanique, tout ce qui est électrique, tout ce qui fonctionne avec le moteur diesel. J'étais à Québec en 1960, ouais. On revenait d'Allemagne à ce moment-là, et un officier de nos amis à Citadelle à Québec emmène, à un moment donné, le vendeur de IBM. Vendeur d'IBM, les ordinateurs commençaient à rentrer. Et puis le gars était venu pour vendre des ordinateurs IBM dans la ville de Québec. Le gars avait prévu en vendre deux dans une année. Il ne connaissait pas le Québec. Il en a vendu 12 dans un mois. Le gars, il dit, je suis en train de devenir fou, je n'ai jamais vu ça. Mais il dit, qu'est-ce qu'ils ont, ce monde-là? Ben, ce qu'ils ont, ce que nous avons, ben, c'est cette dépendance sur la machine, sur l'équipement, sur l'outillage, sur tout ce qui va remplacer notre impuissance en face d'un territoire qui compte parmi les plus durs au monde. Hein? Et c'est pour ça que nous avons pris tellement d'expansion. La première grosse manifestation, le premier gros développement, c'était le chemin de fer. Très important. Mais le chemin de fer a été construit par les Anglo-Saxons, avec notre argent, bien sûr, a été construit comme ça, pour surtout pour aller conquérir l'Ouest. Après, il y a eu les canaux, il y a eu les chemins de fer, mais à partir de 1960, là, il y a eu les autoroutes, il y a eu toute la panoplie des gadgets de toutes sortes. J'ai fait des bonnes tournées aux États-Unis. On dit que les Américains collent après gadgets, pas comme nous autres. Ils n'en ont pas besoin comme nous autres. Nous, on en a besoin, et si on s'achète un gadget, si à un moment donné, ils nous font une patente, une machine, un outil, n'importe quoi, on saute dessus. C'est parce que nous savons, nous connaissons nos limites dans notre territoire, dans notre climat. Important, très important. Donc, l'ensemble du territoire du Québec, correct? Ici, là, ici, Boston, descendez au sud jusqu'en Floride, il n'y a rien qu'une plaine. Une plaine côtière. Une plaine qui est facilement habitable. Une plaine qui est adossée aux Appalaches. Les Appalaches, qu'est-ce que ça apporte dans la plaine? Vous voyez les Appalaches ici, là, mais plus au sud. Elles apportent de l'eau douce. De l'eau douce dans un territoire qui est en face de l'eau salée. Elles apportent du bois en quantité. Et du bois de toutes sortes. Des sortes de bois qu'on ne trouve pas ici, nous autres. Parce que, tiens, on a surtout les conifères. On en avait. On avait des grands sapins Douglas, aussi grands que ceux de Colombie-Britannique. Ils ont été ramassés par les Français et les Anglais pour construire leurs bateaux de guerre. Et maintenant, notre forêt, nous, est complètement dégradée. Ça va nous prendre encore 100 ans, 120 ans avant de la refaire. Mais pas ici. Ici, ils ont des beaux arbres. Ils ont de la belle pierre. Ils ont du marbre. Ils ont du charbon en quantité, du pétrole en quantité, de l'eau, des plateaux agricoles tout le long des Appalaches. Comme disent les Américains, « We've had it made ». C'était tout prêt. On avait rien qu'à sauter dessus pour s'en emparer. Résultat, la côte ici, 100 millions de personnes, la côte. Est-ce qu'ils vont se déplacer pour venir ramasser le Québec là, avec ses 7 millions? Non. Non. Parce que l'important, c'est ça, en face, l'océan Atlantique en face. L'important, c'est la grande voie de communication maritime qui passe en avant de leur territoire. Et là, ils ont sorti leur canon, puis ils ont sorti leur grosse menace, puis ils ont dit, recule, frontière américaine, 200 000 plus loin aux côtes, là. Puis vous approchez pas parce qu'on cogne. C'est à nous autres, ça. Oui, mais avec 100 millions de personnes, tu peux te permettre de faire ça. Tu peux te permettre de dire aux autres, ben, si tu veux pas avoir une claque sur la gueule, éloigne-toi, prends une distance, hein. Fini là. Ici au centre,
le sud des Grands Lacs, le sud du lac Michigan, Chicago, ville charmante s'il y en est une. Est-ce que Chicago est dans votre chambre à coucher du soir? Jamais. Chicago était quasiment 5000 km de distance. Hein? Et au-dessus de Chicago, la grande vallée du Mississippi, du Missouri, de l'Ohio, ainsi de suite, qui descend jusqu'au golfe du Mexique et jusqu'à Nouvelle-Orléans. Chicago, Nouvelle-Orléans, dans le milieu Saint-Louis, fondé par des Québécois sous régime anglais. Parce que même sous le régime anglais, il ne faut pas oublier que nos commis voyageurs, qu'on appelait à tort des coureurs de bois. C'était pas vrai. C'était des commis voyageurs. Ils faisaient du commerce. Puis ça réussissait bien. Alors, Saint-Louis dans le milieu, Chicago, Nouvelle-Orléans, 120 millions de personnes, au moins. À l'extrême ouest, Californie, la vallée intérieure de Californie, vallée de la San Fernando, à l'air de rien, ça, c'est tout petit. 35 millions de personnes dans la vallée de la San Fernando. 35 millions! Et une des régions les plus évoluées au monde, les plus avancées au monde, les plus développées au monde, qui ont fait que Arnold Schwarzenegger a déclaré ouvertement, dernièrement, « California is a nation state ». Ça, c'était à la face de Washington. Objectez, si vous voulez, vous n'êtes pas en position pour nous faire des pieds de nez, ni nous faire des menaces. Et pour prouver, Schwarzenegger est allé rencontrer l'Australie, est allé rencontrer l'Ontario. Regardez ici. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Où est-ce que c'est que j'ai capté ça? Cette affaire-là, c'est ici. L'Ontario. Carte touristique de l'Ontario. Montrez-la à tout le monde. Non, juste montrer la façade où c'est marqué Ontario. Correct? Et nous, province de Québec. Est-ce qu'ils disent province, eux autres? Ils ne disent pas province. Terre-Neuve, Danny Williams, le petit démon, vient de gagner là, en position de force. En voyant, on va se promener. Est-ce qu'il dit The province of Newfoundland? Il n'a jamais dit ça. Newfoundland. On ne dit pas « Province of Nova Scotia », on dit « Nova Scotia ». On dit « Saskatchewan ». J'ai vécu en Saskatchewan, je connais bien, j'ai enseigné. On dit « Alberta », on dit « British Columbia ». Nous sommes les seuls à dire « province ». Province, 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 encore province. Vous voyez Radio-Canada, là, province, la province de Québec, dans la province, ici dans la province, etc. Les Anglais savent qu'une province est un terme péjoratif. Ça vient du latin pro victis, l'espace qu'on réserve pour les vaincus. Restez là en attendant qu'on vous extermine. Correct? Tenez-vous tranquille. Province, province. Les Anglais le savent. Nous, on ne le sait pas. Nous, on ne le sait pas. Alors, donc, les événements. Ici, le territoire, l'ensemble du territoire. Nous ne sommes pas plongés, noyés dans une mer anglo-saxonne. Un cliché de ce genre-là nous rentre dans la tête, là, puis ça devient obsessionnel. Hein? Vous savez ce que c'est que l'obsession, la névrose obsessionnelle de Freud. Névrose obsessionnelle de Freud, vous savez, si ma mémoire est bonne quand j'ai étudié ça, c'était en 1904, ça s'appelait observation. Sur la névrose obsessionnelle. Bemerkungen über einen Fall von Zwangsneurose, si je me rappelle. Et Freud a constaté, son patient à ce moment-là, c'était un médecin. Comment se fait-il que médecin, notaire, avocat, gens de haut niveau sont plus fous et plus dérangés que les autres? Comment se fait-il? Freud a trouvé l'explication. Trop de mots dans leur tête et trop de mots qui confondent avec des suggestions et des ordres. Les mots qu'on va rendre dans la caboche, ce n'est pas des ordres. Mais à un moment donné, quand ça commence à s'imposer comme un ordre,
Alors là, ça provoque des désordres, ça provoque de sérieux désordres, ça provoque ce qu'on appelle des névroses. Névrose, c'est quand on pense trop, quand on a trop de mots, quand on ajoute des mots avec des mots avec des mots, quand on met du vocabulaire, plutôt que de voir ce qui est là, tel que c'est là, sans passer le jugement. Alors, ça a été ça. Hein? C'était ça, même là, on nous a rentré des mots, des mots, des mots pour nous dire, ah ben, vous savez, là, vous avez perdu la bataille des plaines d'Abraham, là, hein? Vous l'avez perdu. Au lieu de répondre, va donc chier, achète-moi non pas, ça a été maudite idée. Ah, oh, je suis vulgaire, ça m'arrive d'être vulgaire, ça ne m'empêche pas d'être vulgaire, même j'aurais fait, je ne sais pas combien d'années de scolarisation, mais à un moment donné, il faut être vulgaire, et à un moment donné, il faut dire à l'autre autour de toi, là, pas toi d'en avoir un sur le nez. Bon, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Ces limites-là ont été dépassées et nous les avons tolérées. À ce point que nous sommes obsédés, par exemple, par le terme « noyé dans une mer anglo-saxonne ». Un cliché. Un petit cliché, puis ça poigne, ça. Ça tient Dieu. Nous ne sommes pas noyés dans une mer anglo-saxonne. Nous sommes à la périphérie, complètement à l'extérieur. Et ma thèse principale, et à renforcer notre position périphérique. Nous sommes périphériques ici par rapport au bassin des Grands Lacs, le centre de gravité de l'Ontario, le centre de gravité du Canada anglais, l'axe général Belleville, Toronto, Toronto, London, London, Windsor, hein? Entouré des Grands Lacs, au sud du 45e. Nous sommes au nord, nous, du 45e. Eux sont au sud. Il y a 12 millions de personnes qui vivent là-dedans. 12 millions sur un total de 30 millions pour tout le Canada, ça prouve quand même l'importance stratégique de la région ici qui n'a pas été particulièrement explorée. J'ai demandé à Léon Snow, j'ai dit, si tu peux agrandir la carte et montrer comme il faut comment l'Ontario Sud développé. Vous voyez ici le 45e parallèle et vous voyez que l'Ontario Sud plonge dans les États-Unis, est entouré le territoire américain. C'est pour ça qu'ils ont tellement peur, hein, qu'ils sont tellement inquiets, et puis qu'ils tiennent à nous garder, alors que nous sommes, nous, périphériques, à l'extérieur. Maintenant, comment est-ce que c'est arrivé, ça, que notre position était renforcée, alors qu'au commencement, les Anglais, les loyalistes, ainsi de suite, les Anglais, les loyalistes sont venus aux États-Unis, les Anglais qui étaient là, et les Orangemen, ça, c'est les pires, ça, sont venus d'Irlande. Après avoir littéralement essayé d'exterminer le peuple irlandais. L'Irlande est un des pays les plus peuplés en Europe. Il y avait 8 millions d'habitants. Quelques décades après être tombé dans les pattes des Orangemen, la population d'Irlande était tombée à 3 millions. Ça en fait pas mal, ça. Sous Cromwell, en un seul été, sous Cromwell dans les 1640, il y a eu presque 1 million de morts chez les Irlandais. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Le fait qu'on a essayé de les exterminer, alors que nous, on n'a même pas pu nous déporter comme les Acadiens. Les Acadiens, regardez, là, voyez là, comment géopolitique explique les choses. C'est ici l'Acadie. C'est beau l'Acadie. C'est proche du Gulf Stream, mais c'est aussi, c'est proche de Boston, où se trouvait la flotte anglaise. Hein? Bon. Et qu'est-ce que l'Acadie a que le Saint-Laurent n'a pas? L'Acadie a 2 récoltes par année. C'est agréable, l'Acadie. C'est agréable, l'Acadie. Et qu'est-ce que l'Acadie n'a pas que le Québec a? C'est que l'Acadie n'est pas défendable. Pour garder l'Acadie, il aurait fallu investir une flotte de 300 navires, sauter sur Boston, écraser la flotte anglaise. Autrement, ça n'était pas défendable, ça ne servait à rien. Il faut être assez réaliste au point de vue stratégique pour se dire à un moment donné, non, ça ne peut plus, là, ça ne sert à rien. On se dépêche de ramasser nos affaires, vite, on s'en va avant que les Anglais viennent. On ramasse tout, on s'en va, le charrette, n'importe quoi, on va y passer par ici. On se trouve une place pour s'installer ou on s'installe au Québec, alors que ce n'était pas le cas ici. Lorsque les Anglais sont rentrés, est-ce qu'ils auraient pu nous déporter? Il en a été question. Il y a des Québécois qui sont mis à trembler de tous leurs membres en disant, « C'est-tu effrayant? » Ils ont manqué, ils n'ont pas manqué de nous déporter, ils n'étaient pas capables. Ce n'était pas possible. Septembre 1759, à Québec, les gens qui viennent de la ville de Québec le savent,
au milieu, au début de septembre, de septembre chaque année, le soir, la nuit, il fait assez froid pour attraper une bonne crise d'hypothermie. Il faut s'habiller comme il faut en septembre à Québec. Et ça continue, octobre, etc. Ils le savaient. Des tempêtes épouvantables qui commencent au mois de septembre dans le Saint-Laurent. Question de sortir avec un bateau à voile comme ça, ramasser le monde? Pas question. Politique est affaire d'intérêt, de rapport de force et d'effectivité. Comment ça se fait que, au lieu de nous déporter, ils ont fouillé dans leur poche puis ils ont sorti de la monnaie d'or? Il faut comprendre ça, ces petits jeux-là. S'ils ont sorti de la monnaie d'or pour payer pour les biens et services chez l'habitant, c'est parce qu'ils étaient en position de faiblesse. C'est simple comme ça. Ils auront beau se vanter et dire « We're the masters », qu'on va compter ça à quelqu'un d'autre. Pas vrai. Tu ne l'es pas. La preuve, c'est que si ce n'était pas nous, tu n'aurais pas eu de place pour loger ton armée. Si ce n'était pas nous, tu n'aurais pas eu de quoi manger, tu serais mort de faim. Hein? Si ce n'était pas nous, ben il n'y a pas eu personne de prendre soin de tes chevaux, et ainsi de suite. Dès le premier hiver 1759, nous étions en position de force. Combien est-ce qu'il y en a qui l'ont réalisé? Combien est-ce qu'il y en a là, entendu « La Nouvelle-France n'existe plus, nous avons perdu, etc. » Wow! En géopolitique, ça ne marche pas ces phrases-là. En géopolitique, on sort le pif, on sent le vent. On dit « Attends une minute, laisse faire les mots, laisse faire les paroles. Occupe-toi du contexte et de la situation qui se présente telle qu'ils sont. » Pas avec des mots. Tu vois bien qu'ils sont mal pris. Ils ont gagné cette victoire militaire-là, mais ils sont mal pris. En plus de ça, bataille des plaines d'Abraham, hey, ils nous ont écrasés, c'est pas vrai. C'est pas vrai, la bataille n'a pas duré. En 7 minutes, c'était réglé, dans le temps de le dire, parce que les régiments français sont sortis trop tard. Le Royal Béarn est placé, était venu à peine de se placer. L'armée anglaise était déjà prête à y taper dessus. Hein? Puis avant que les autres régiments se placent, alors évidemment, ces régiments-là étaient fauchés en partant. Fauché en partant parce que Montcalm n'était pas là à son affaire, il n'était pas là pour conduire une guerre. J'étais formé, moi, comme officier pour conduire des batailles. Tu dors pas. Ma foi, tu cours d'un bout à l'autre, tu regardes tout, tu évalues tout. Continuellement, tu suis tous tes hommes, un par un. Tu peux dire que place est placée, toi, là, en pleine nuit. Jamais, jamais, jamais tu peux te permettre de te reposer. Il n'y a rien de plus terrible que de conduire des troupes dans un théâtre d'opération pour un officier. Ça prend une santé de fer pour être capable de tenir le coup. Puis en plus de ça, il faut avoir été formé. Montcalm, qu'est-ce qu'il faisait? On dit qu'il a passé une nuit très agréable avec Madame de Beaubassin. Un nom qui devait bien aller, puisque... a passé une nuit très agréable, gentil monsieur, etc. Mais c'est pas ça qu'on fait. Quand on est pris dans une bataille, on est dehors, on regarde. On dit, as-tu été voir ce terrain-là qui est là? Viens, on va aller le voir ensemble. On va tout examiner ça. Il faut pourvoir à tout, à tout, à tout. Jamais, 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 un officier conducteur de troupes sur un champ de bataille ne peut se permettre de se reposer. Jamais. Alors, c'est pas mal de sa faute, hein? C'est pas mal de sa faute. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'au moment où il a perdu, au moment où les premières troupes ont été battues là, par l'armée anglaise, Ramsey s'est dépêché d'ouvrir la porte de la ville de Québec et dire « Reddition, on laisse entrer les Anglais. » Oui, mais à ce moment-là, les milices territoriales, nous autres, pas les Français, nous autres, les milices territoriales s'en venaient, là, des deux côtés, de trois côtés à la fois, il y avait ce qu'il fallait pour écraser l'armée anglaise. Ramsey, c'était qui? Ramsey, c'est un des gars, ceux-là, là, c'est un des hommes de Montcalm. Ouais. Ramsey. Mais l'armée anglaise était au chaud à l'intérieur de Québec. On n'était certainement pas, nous autres, pour commencer à tirer sur la ville de Québec, pour commencer à faire sortir les Anglais. C'était foutu. Le printemps suivant, 18 avril 1760, là, de nouveau, milices territoriales sont ramassées avec Vaudreuil, rencontrer de nouveau l'armée anglaise. Cette fois-là, on l'a battu. C'était pas les Français, cette fois-là. C'était nous. Moi, je considère le 18 avril 1760, comme le commencement de l'histoire du Québec proprement dit. C'était nous, à ce moment-là, qui rentrait dans le jeu. Les Anglais, c'était fini avec les Français. Les Anglais avaient affaire à nous.
et nous avions toutes les raisons de nous penser dans une position solide, une position de force. On n'était pas nombreux, 70 000, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas le nombre qui fait la différence. Alors donc, les Anglais, 1760, prennent le restant, correct, mais leur situation est impossible parce que les Yankees commencent à se soulever dans le sud, ils sont 2 millions, et les Indiens, les Amérindiens de l'Ouest commencent à se soulever. Et puis, en plus de ça, ben, les Anglais ont besoin de manger, ainsi de suite. Ils ont besoin, ils voient bien que nous avons de la difficulté à produire de la nourriture. Alors, la nourriture vaut cher, et ils le payent en bonne monnaie. Mais pas longtemps après, 1774, hein, l'acte de Québec, on nous a fait de grandes concessions. Sa Majesté britannique a été bonne pour nous, etc. Voyons donc, compte pas ça à moi. Il n'y a pas de concession en politique, en géopolitique. Il n'y a pas de concession. Si les Anglais ont accordé l'acte de Québec, nous reconnaissent, c'est parce qu'ils étaient dans une position de plus en plus faible. Il n'y avait pas le choix. Ils étaient pris en Europe avec des guerres interminables, des guerres coloniales dans tout le monde entier. Ils ne pouvaient pas mettre leur armée là. Il aurait fallu qu'ils mettent leur grosse armée parce qu'ils voyaient que les Yankees se révoltaient. Ils l'ont vu. Puis ils ont dit, on n'a pas de chance de l'emporter. Mais la France a préparé un petit scheme, là, tu sais, là. Hein? La France a préparé quelque chose pour nous servir à chaud. Parce que les Français qui se sont retirés se sont réorganisés, en fait, dans les Antilles. Et pas longtemps après, en fin de compte, les Anglais ont vu qu'ils n'avaient pas affaire seulement aux Yankees dirigés par Washington, mais qu'en plus de ça, la France fournissait une armée complète commandée par le général Lafayette, plus une flotte de guerre commandée par l'amiral de Grasse. Ils ont dit dans ces conditions-là, la fois, si on gagne cette guerre-là, là, ça va être un miracle. Ils l'ont perdu. Washington a fait quand même une erreur. Washington a refusé de permettre à Lafayette de monter au nord. S'il avait monté au nord Lafayette, la Nouvelle-France est revenue. Mais non, ça n'a pas marché. Washington a préféré envoyer deux armées. Le général Montgomery, c'était surtout Montgomery, qui a été tué en face de Québec le 31 décembre 1775. Montgomery avait oublié, les Américains avaient oublié, quand tu montes au nord, tu t'exposes à geler, surtout au mois de décembre. Hein? Tu ne gèles pas ici, là. Moi, les années passées, quand j'étais jeune, là, quand l'hiver là, commençait à me ronger les os, ben, je prenais l'autobus et j'en allais à New York. Chaleur, l'humidité de New York, etc. Quelques jours là, ben, ça allait bien. Je montais, ça allait bien. Je m'arrêtais à Albany. Ben, là, je mangeais à Albany. Là. Bon, après ça, je prenais l'autobus, je remontais. Quand on passait à la frontière, on approchait la frontière du Québec, on voyait la différence. La grosse neige, le froid glacial, non? L'autobus qui conduisait lentement pour ne pas glisser, ainsi de suite. Là, on sentait qu'on entrait dans un autre monde. Les Anglais le savaient, eux autres aussi. Ils l'ont réalisé. Les Américains l'ont réalisé un peu plus tard. Quand ils ont dit, le Québec, on ne touche pas à ça, parce que, tu sais, c'est pas eux autres qui vont nous tuer, c'est le froid qui va nous tuer. Et puis ils appellent, par exemple, le Vermont, ils appellent déjà ça « North Pole ». Et nous, c'est « North of North Pole ». C'est encore plus loin, nous, que le pôle Nord pour eux autres. Rien qu'à penser au Québec, là, ils se mettent à trembler de froid. Et ils le savent. Alors donc, ce qui est arrivé 1774, en échange de notre loyauté. Ah! Vous voyez comme on est fin pour vous autres, comme on est gentil, comme on est bon pour vous autres. Vous savez, mettez-vous sur le côté de l'Angleterre. Là, une décision a été prise. Beaucoup de gens sur la rive sud ici avaient décidé de se ranger avec les Yankees. C'est-à-dire, on ramasse les Yankees, on sac les Anglais dehors, on se réorganise, on mène notre propre État. Les évêques se sont opposés. On peut leur en vouloir tant qu'on voudra. Ils avaient une bonne raison géopolitique pour s'y opposer. Ils ont dit, nous ne sommes pas assez nombreux pour constituer en position de force. Il y a trop de territoire à l'autre bout qui n'a pas été pris. Si nous nous rangeons sur le côté des Yankees, ils vont gagner leur guerre d'indépendance. Après ça, on va avoir affaire à un énorme pouvoir qui va nous écraser. Si nous nous rangeons sur le côté des Anglais que nous n'aimons pas d'importance, nous allons créer deux pouvoirs. L'Amérique britannique du Nord
et puis nous allons permettre aux Yankees de se constituer. Et nous allons permettre en même temps, nous allons nous placer, nous, de manière en position de carrefour, en carrefour d'empire, en position de carrefour, de manière à pouvoir tirer notre propre épingle du jeu, de sorte que même si nous sommes très peu nombreux, nous allons pouvoir prendre le Saint-Laurent. Et nous allons pouvoir nous imposer. Ce n'était pas un mauvais calcul. Il faut dire qu'un évêque de la Sainte Église catholique et romaine, contrairement à ce qu'on pense, c'est quelqu'un qui a les deux pieds à terre très dur. Pensez pas qu'un évêque, comprenez-vous ça, est en l'air comme ça. Non, non, c'est sûr, je les connais. J'ai travaillé avec eux autres. Vous êtes ceux qui ont les deux pieds à terre. La transcendance, le chemin de la perfection, c'est à terre. La grâce divine.